Comment faire 3 étoiles sur le nouveau défi de la capitale de clan? Voilà à quoi ressemble le défi. Attention aux obstacles, ils sont ultra pénibles. Pour ne pas perdre au niveau du temps, on va devoir utiliser le sort de précipitation perpétuelle. Donc on va le placer juste ici. Ensuite, on va faire entrer le PK à l'intérieur. Derrière, on met directement le méga zappy. Et de l'autre côté, on envoie les super mineurs. C'est parti. On va mettre aussi les super sorciers pour qu'ils suivent un petit peu le PK. Et pendant ce temps, les super mineurs, ils se déplacent ultra vite de bâtiment en bâtiment. Je mets aussi des super barbares avec eux pour venir un petit peu les aider et tuer les gobelins à lance un peu plus vite. Pendant ce temps, le méga zappy, il fait sa vie, il avance ultra bien. N'hésitez pas, si des fois vos super mineurs sont complètement coincés, vous mettez comme ça, hop, un sort de foudre et ça permet qu'ils continuent leurs petites avancées. Ici, pour aider le zappy, faites attention, il faudra rajouter les super sorciers. Quand il y a beaucoup de gobelins à lance dessus, c'est obligatoire. Là, on a les super mineurs qui ont quasiment détruit toutes les défenses importantes et on va rajouter sur l'hôtel de capital le sort de gel. Ici, on va mettre un sort de saut pour les troupes. On a le méga zappy qui tire sur l'hôtel de capital et ensuite, il pourra passer au-dessus des buissons. Vous avez vu, les troupes qu'on a enragées en début d'attaque sont toujours boostées, toujours précipitées. Ça, c'est obligatoire pour ne pas perdre au niveau du temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sort de soin sur les troupes qui vont juste ici. On a le méga zappy qui est toujours là. On va mettre notre dernier super sorcier pour l'aider. Et à ce moment-là de l'attaque, le méga zappy, il va déjà redescendre dans un premier temps. Il va détruire cette défense et ensuite, il va remonter pour tirer sur les remparts. Il va nous rester 30 secondes pour détruire tous les bâtiments de ce côté-là. Des fois, il reste un petit peu moins de bâtiments. Ça dépend si vous avez eu de la chance avec vos super mineurs ou pas. Le fait que les troupes soient perpétuellement précipitées, je trouve ça incroyable. Ça, c'est certainement une des pires tentatives que j'ai faites. Les super mineurs ont vraiment pas été très forts. Et pourtant, ça passe quand même au niveau du temps. Donc voilà, avec cette solution, vous pourrez faire 3 étoiles assez facilement.